ceux qui commentent mes posts. Bonjour, bonjour. Tout ce que vous avez subi jusqu'à maintenant, ça avait un plan. Le plus dur pendant la tempête, c'est de se dire que dans la tempête, si c'est pour une raison. Beaucoup sont venus, ils ont fait semblant de vous comprendre. Ils ont fait semblant de savoir où vous allez. Et quand quelqu'un devient trop envahissant dans la vision, Dieu va retirer la personne. Bonjour Brian, Dame Nature, bonjour. Cosmétique, mais ça fait longtemps. Parfois vous me suivez, vous disparaissez. Ren Foster, bonjour. Dieu connaît exactement où vous êtes. Si c'était le moment, tu l'aurais déjà fait. Que personne ne devienne ton Dieu. Que personne ne prennent le dessus sur ta vie. Je crois que toi-même, tu ne te rends pas compte de là où Dieu t'a sorti. Tu as oublié tous les miracles qu'il a faits. Les fois où il t'a sorti des trous. Les fois où il t'a donné des choses que tu ne méritais pas. Dieu n'est pas bête. Tu dois comprendre que avec ou sans l'appui des personnes qui veulent te faire chanter, Dieu va le faire. Tu vois la personne. Ces personnes n'ont pas compris que c'est toi la pompe à essence. C'est toi le carburant. Tu es l'engin. Quelqu'un peut savoir conduire. Sans voiture, il n'irait pas vite. Tu rencontres des personnes qui ont des compétences. Ils oublient que toi-même, tu oublies. Hein? Si j'ai une voiture qui vaut 15 millions, 50 millions, je sais qu'à tout moment, je cherche un autre chauffeur, il conduit la voiture. Ne te dérange pas parce que le chauffeur fait comme ça là.
Comme il conduit ta voiture, il pense que c'est lui qui conduit. Il pense que c'est pour lui. Aïe. Quand moi-même j'oublie qui je suis, Dieu lui-même me ramène à la raison. Quand j'oublie. Tu donnes ta voiture à quelqu'un que conduit. Il ne sait pas que tu peux le payer. Il ne conduit aucune voiture. Donc tu le payes un mois, il s'assoit sur le banc chaque jour. Et tu payes. Et ça ne te dérange pas. Tu attends les gens là pour déménager, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qu'en une semaine, tu peux trouver ta maison. Qui est là, Gonzalo? Je ne peux pas payer. Je ne suis pas sûre que je peux. Vraiment. Il y a des gens que sans vous, ils retournent au trou. Brice, si tu es un pigeon, tu peux quitter sur mon truc. Je crois qu'apparemment tu es pigeon. Olivier, bonjour. Sans toi dans leur vie. Ils retournent en arrière. Sans eux, rien ne ralentit dans ta vie. Et tu ne sais pas. Tu en te laisses supplier. Que ouais, pardon. Ouais. Tu sais que je ne peux pas faire sans toi, non. J'ai besoin que tu me montres. Hugues, pardon. Commence pas, je vais te bloquer. Que j'ai besoin d'aide. Tu fais partie d'un plan qui est tellement plus grand que toi. Et crois-moi, tu as essayé de leur dire. Ils n'ont pas voulu t'écouter parce qu'on te simplifie. J'ai des collaborateurs que souvent ils les regardent comme ça. Ils disent, est-ce que vous me connaissez même? J'ai vu toutes les couleurs de qualité, de sorte, de genre. Tous les chichis, comme on dit en patois. Chichis. Les avares, les égoïstes, les chiches, les menteurs, les manipulateurs. Tapoter. Et je leur disais toujours, vous allez venir, vous allez partir. Je serai là. Il y a une leçon que je suis en train d'apprendre actuellement.
on ne se reconnecte pas avec les anciens succès. Et j'aurais pu, j'aurais dû. Vous vous êtes connu il y a 6 ans. Si tu l'as quitté ou bien tu as arrêté avec la personne il y a 5 ans, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans l'aura de la personne qui allait te ralentir. Donc, comme tu reprends la personne aujourd'hui là, rien n'a changé. Ni chez toi, ni chez la personne. Rien n'a changé chez toi parce que tu es toujours aussi déterminé, visionnaire. Tu sais là où tu vas. Tu sais ce que tu veux. J'ai eu l'opportunité de travailler une fois avec quelqu'un. Et ça fait 4 ans qu'on avait bossé ensemble. Olivier Serge, ce n'est pas une séance de prière ici. Ok? Merci. Les prières, c'est mercredi. Quelques années plus tard, on se reconnecte. À l'époque, personne ne me connaissait. Mais j'avais les mêmes principes que maintenant. Et je me rappelle à l'époque où tu disais toujours à la personne que commence maintenant. Faisons avec ce que tu as, ce qu'on a. La personne dit non, il faut d'abord attendre. Il faut d'abord que ce soit comme ça. Tu n'y connais rien. Je me suis séparée de la personne. Je suis partie faire ce que j'avais dans mon cœur. C'est pour ça que vous devez, je vous ai dit dans la journée, n'ayez pas peur de la solitude. Vous serez incompris. Jugé. Et c'est la femme qui justifie les moyens. C'est la femme qui justifie les moyens. Ne laissez pas quelqu'un vous décourager. Beaucoup d'entre vous, vous opérez avec la puissance créatrice. Certaines choses doivent être exécutées par la force de ta vision. Tu ne peux pas laisser quelqu'un d'autre voir pour toi. À bon entendeur.
Salut.